Nous allons accueillir une personne aux multiples talents, aux multiples facettes, une personne qui a vécu beaucoup de métiers. En effet, Dominique Istria, de son nom d'artiste Domistria, fut d'abord mannequin. J'ai pu m'apercevoir que c'était une femme qui était très belle. Elle fut styliste, puis agricultrice. Ça paraît plus bizarre, quoi. Plus curieux. Et pourtant, si on réfléchit bien, ça peut aller très bien ensemble. Elle a été artiste peintre. Et puis, une révélation de ce coup. Nous avons parlé un peu cet après-midi. Quelque chose qui s'était ancré dans sa poitrine, dans son ventre pendant 40 ans. Elle nous a sorti petit à petit. Elle est devenue auteure, compositrice et interprète. Sans avoir pris une seule leçon, sans avoir appris le solfège, uniquement par la force de la volonté, de la passion, de son travail, je crois qu'elle nous présente quelque chose de très accompli. Et ça me persuade dans l'idée que même si l'on n'a pas appris dans les écoles, si l'on a la passion, d'ailleurs c'est la passion qui mène les artistes au bout de leur art, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'art quelque part, un jour ou l'autre, ça s'arrête avant. Et donc cette Dominique Istria est en train de faire une carrière. C'est une belle insoumise. D'ailleurs, Belle Insoumise, c'est le titre de son deuxième album. Une femme au parcours atypique. Une femme libre, tout simplement. Domistria. Caresse d'un regard serein.